Je sais pas, Sarah. Salut. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça va? Depuis qu'on est ici, vous avez réussi à vous rapprocher. Enfin, c'est alors, la vérité que... J'ai l'impression que c'est plus meilleur ami, c'est plus, tu vois. Ouais, peut-être tu vois quelque chose de différent. Moi aussi, je réalise que peut-être il y a quelque chose de plus. Mais qu'auparavant, que je voulais cacher, je sais pas, par rapport à... Voilà. Tu mets des fois des obstacles, tu ne veux pas voir certaines choses, comme peut-être la différence d'âge. Et du coup, là, ce qui... Ça te freinerait la différence d'âge, toi? Mm-hmm. En temps normal, ça te freinerait cette différence d'âge? En temps normal, ça... Ouais, ça me donne des soucis, mais... Mais franchement, la personne est très mature. Tu pénalises une personne par rapport à son âge, mais au final, il se comporte d'une manière toujours très mature. Et dans cette semaine, le fait que voilà, on pourrait se perdre, il y a le risque qu'on. Ouais. Qu'on oui, soit... en fait, c'est vrai que t'as peur de vendredi, quoi. Et surtout que vous avez deux fois plus de chances d'être séparés, quoi. Exactement. Et je ne sais pas, j'ai envie de profiter le plus de temps avec lui et d'essayer de vivre l'instant avant que je sorte. Et donc la différence d'âge, c'était ce qui te dérangeait le plus, mais au final, comme il est mature mentalement... C'est pour ça que je dis que je suis dans une maison de vieux, moi. Parce qu'Emeric, il n'a pas 22 ans. Hein. Exactement, Emeric, il est toujours sur le réfléchi. Il n'est pas là en train de faire le gamin et tout. On dirait pas que, voilà, il a... Mais là, à l'heure actuelle, vous en êtes où? Je ne sais pas. Je ne sais pas mettre un... à niveau à ce qu'on vit, mais tout ce que je sais et ce qui m'intéresse, que en ce moment j'ai envie qu'on soit très très proche, parce qu'on risque voilà d'être séparés et pour les deux ça va être difficile, tu vois. Tu crois qu'Emeric il aimerait vraiment avoir une relation avec toi? Je ne lui ai pas demandé. Et je préfère pas poser de questions. Je suis une personne que voilà qui vit les choses doucement. Et je n'aime pas forcer généralement les choses.